Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, en janvier dernier, vous avez été interrogé sur les communications au sein de l'armée avant la victoire, avant la prise de Phnom Penh. Et vous aviez alors expliqué que vous receviez vos ordres militaires, parfois par radio, parfois par messager. Et en ce qui concerne la radio, vous aviez déclaré qu'il y avait souvent des problèmes qui étaient liés à ce type de communication. Et vous avez expliqué que pour cette raison, chaque unité doit être capable d'une certaine autonomie. Je vous cite, c'est la page 52 de la version française, et c'est entre 11h35 et 14h40. Vous avez dit qu'une compagnie devait prendre ses propres décisions et gérer ses propres forces pour garder la situation. Est-ce que vous vous souvenez de cette explication sur la nécessité d'une certaine autonomie? Monsieur le Je vais faire très simple, je vais vous lire juste quatre lignes de ce que vous avez dit en janvier dernier. Je cite. Pendant les combats, la communication était difficile et prenait du temps. Il y avait en effet des problèmes liés à la communication par radio. Parfois, le message arrivait trop tard. Et parfois, il était trop tard pour pouvoir s'occuper des blessés. Un petit peu plus loin, vous dites, chaque petite unité, comme une escouade, un peloton, une compagnie, devait prendre ses propres décisions, gérer ses propres forces pour garder la situation sous contrôle. Fin de la citation. Dans cette description, vous faites étape de la difficulté de communication. Et ma question porte maintenant sur la période qui a suivi la victoire. Pas la période pendant laquelle vous êtes à Phnom Penh, mais la période pendant laquelle vous serez affecté dans le Ratanakiri. J'aimerais que vous nous décriviez, nous expliquiez si pendant cette période, votre unité a connu une amélioration de la communication, si la situation est toujours aussi difficile comme ce que vous dites, pendant le Ratanakiri, est-ce qu'il y a une différence entre les deux périodes? Le temps est de ខ្ញុំបាទជម្រាបជូនថាកាលពីមុនវាមានការខ្វះខាតលើប្រស័យទាក់ទងហើយវាមិនសូវផ្ដល់សភាពការនៅអត់ទាន់ពេលវេលាទេបាទ
ក្រោយមកទៀតក៏វានៅតែដំណើរការនឹងនៅយឺតដល់ដែរទោះបីការប្រើប្រាស់តេអូនេះក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរពេលវេលាផ្ដល់កិច្ចការងារដែលសំខាន់ដែលចាំបាច់ក៏វាមិនបានទាន់ពេលដែរនេះក៏មានចំណុចខ្វះខាតច្រើនដែរកន្លងទៅ En janvier dernier, vous avez également été interrogé sur la manière dont vous aviez rejoint votre nouvelle affectation dans le Ratanakiri à la fin de l'année 1976. Vous avez fait une déclaration qui, moi, m'a un petit peu surpris. Vous avez dit, je suis allé à vélo. Est-ce que vous confirmez être allé rejoindre votre poste fin 75, pardon, 75, c'était fin 75. ឃើញខ្ញុំឃើញលោកប្រញ្ញាក្រោកឡើងថាពួកខ្ញុំច្រឡំមិញថាចង់ឆ្នាំ75តើលោកចាំទេការដែលលោកទៅកាន់តំណែងនៅរដ្ឋនគរនេះលោកជិះកង់ទៅតែអញ្ចឹងមែនទេបាទត្រឹមត្រូវដែរចេញពីភ្នំពេញជិះកប៉ាល់ទឹកបាទទៅចុះកាចេះទៅដល់កាចេះហ្នឹងគឺនាំកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានរែងកង់ហ្នឹងគឺជិះកង់មកលហូតទៅដល់រដ្ឋនគរីបាទ 2 Et le reste des hommes qui étaient sous vos ordres à voyager également à bicyclette, comment se sont déplacés votre unité? Est-ce que tout le monde s'est déplacé à bicyclette? Est-ce que c'était un traitement de faveur de disposer d'un vélo? បាទជីកកង់គ្នាច្រើនដែរមិនមែនតិចទេតែមានឡានក៏ជូនខ្លះប៉ុន្តែឡានជូនកម្លាំងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេកម្លាំងមកកងពលធំបាទជាបណ្ដាក់បណ្ដាក់ Et vous qui étiez commandant adjoint, vous n'avez pas fait ce trajet en voiture ou en camion militaire? Quand nous venons à nous, c'est un homme. Quand nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, Je vous remercie. Vous avez été interrogé à plusieurs reprises pendant vos rencontres avec les enquêteurs du tribunal et puis les séparés sur les motifs que l'on vous avait donnés. À l'époque, bien sûr, pour l'évacuation de Phnom Penh. Et vous aviez peu varié dans vos explications, vous avez été assez clair, notamment à page 63 de la version française, à 13h42, vous déclarez, sur la base de l'expérience, je peux dire que quand une zone était conquise, le plan était toujours de l'évacuer, pour éviter que de nouveaux combats n'explosent dans les zones nouvellement conquises. Et puis, plus tard,
plus loin, à 13h43 minutes, vous parlez plus précisément de l'évacuation de Phnom Penh. Vous dites que là aussi, on vous a donné la même instruction de faire évacuer la ville. Et vous avez expliqué, je cite, même si l'ennemi avait été vaincu, il existait encore certaines poches ici et là. Et puis vous dites aussi quelque chose, c'est là-dessus que je voulais vous poser une question, je cite, quand nous avons pris le contrôle de Phnom Penh, nous ne sommes pas vraiment restés droits. Nous étions en mouvement pour des raisons de sécurité. Nous avions peur que nos troupes ne soient attaquées par les vestiges de l'armée vaincue. ฟังต่อว่ายังคลายทำเมียนกะสมนัลพวกสมนัลว่าตอบลอนนอลนู้นวิ่งไปหามาเลยยังจังยังสมัยโลกช่วยปัญญลไอ้บ้านลมอัดแต่ต้องจำหน่อยนี่มาคือยังจังพาเลสเตนดรอว์ข้างยังดังทำเมียนไปหามาปลายหรือกันยังนาเทปันได้ในเจ้าเวสซาบารังนั่นคือทางดีเยท่ายังมันเอามือกันไล่เทยังเพลิดเพลิน Merci, ce n'est pas une objection, Monsieur le Président, mais j'ai l'impression que Maître Verkaine doit exposer la version non révisée du transcript de la transcription, vu que les numéros de page qui ne correspondent pas tout à fait à la dernière version. Et dans la dernière version, la situation est la suivante. Quand nous avons pris contrôle de la situation, nous ne sommes pas restés au même endroit. Et non pas nous ne sommes pas restés droit. Et ensuite, nous étions en mouvement pour des raisons de sécurité. Nous avions peur que nos troupes ne soient attaquées par les vestiges de l'armée vaincue. Donc j'ai l'impression qu'il s'agit d'une différence de version entre la version non finale et la version finale de la transcription de l'audience du 11 janvier. Merci, Monsieur le témoin, je voudrais quand même vous demander si, selon vous, c'était envisageable, possible, comme vous le craignez, d'après ce que vous avez dit à l'époque, que vos troupes soient encore attaquées par les vestiges de l'armée vaincue. Monsieur le Président, je ne sais pas si je me trompe, ได้บ้านจำเรียบจูนนึงมาโปรในระบายในสังเครียมให้ตีกรองมาประปอนตีกรองกระติดกลองมอวิทเมียนจูประเทศมาให้มาตามตีรวมคายเอฟซิงซิงมาในชนิดก็ประเจกกระเตือหรือยุติศาสในสังเครียมเบียนมันพลายปีคณีได้มาดังใบกาเปียกำลังมาขโมยเมียนครูธนาจวนโดยจวนให้กลองมักก็อ่านวันจัง Apparemment, d'après vos déclarations, cette crainte perdure, compris après la victoire, puisque un petit peu plus loin, entre 13h46 et 13h49 de votre audition du 11 janvier devant cette chambre, vous avez expliqué que, après la victoire, votre unité était chargée de garder le ministère de la propagande et que vous faisiez des rondes dans la ville de Phnom Penh pour garder ce ministère et pour prévenir une attaque, c'est exact. Monsieur le Président, à
avant la prise de Phnom Penh, mon nom de Ban, c'est le grand Phnom Penh, qui est un pays supérieur hiérarchique, vous ont expliqué la manière dont il allait falloir procéder, une fois que la victoire serait remportée, et au moment où vos supérieurs vous ont donné pour instruction de faire évacuer la ville, est-ce que les motivations qui vous ont été indiquées à ce moment-là étaient uniquement des motivations une stratégie militaire comme celle que vous venez de dire à l'instant, ou est-ce qu'il y avait d'autres motivations? Dans le cas de l'Ottawa, il y a des motivations qui sont liées à l'Ottawa. Dans le cas de l'Ottawa, il y a des motivations qui sont liées à l'Ottawa. Est-ce qu'à un quelconque moment, vos supérieurs hiérarchiques vous ont expliqué que cette évacuation de la ville était justifiée par une nécessité de punir les citadins? បាទពាក្យដែលថាដាក់តន្តកម្មដល់ប្រជាជនក្រុងភ្នំពេញនឹងខ្ញុំបាទមិនបានទទួលនៃការសិក្សាណែនាំអញ្ចឹងទេគាត់ឲ្យតែជំនះចេញហើយរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចចាំមើលសភាពការក្រោយមកនឹងដោះស្រាយជាបញ្ហាបាទគាត់តែពាក្យតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ Je voudrais vous poser quelques questions sur cette cérémonie à laquelle vous avez indiqué au stade olympique et au cours de laquelle a été annoncée la création de la division 801 et deux autres divisions. D'abord, question très simple qui vous a déjà été posée plusieurs fois, mais je peux vous la reposer. Est-ce que vous êtes capable de vous situer dans le temps de nous dire le mois de l'année 1975 au cours de laquelle cette réunion a eu lieu? Est-ce que vous êtes capable de vous situer dans le temps de nous dire le mois de l'année 1975? ប៉ុន្តែក្នុងរយៈកាលខែក្នុងឆ្នាំ2005នេះទី1សម្រាប់ធ្នាប់នៃប្រកាសកងទ័ពហើយទី2នៃការរៀបចំនៃប្រកាសនៃរបស់មជ្ឈិមបាទដឹកនាំទូទាំងប្រទេសបាទ Juste une précision pour les Français, il nous a dit. Alors, monsieur, je vous demande de ne pas lire ce que vous avez dans les yeux, parce que pour l'instant, je ne vous ai pas soumis de document. Soyez gentil de ne pas consulter de document. Monsieur. Merci Merci. On nous a dit 2005 en français, ce que vous voulez dire en 1975. Merci. Vous venez de dire que... Cette cérémonie concernait la réorganisation de l'armée.
Combien de temps a duré cette cérémonie? Plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs minutes. La création de la division 801 et des deux autres divisions créées à ce moment-là, c'était une décision importante. Si vous voulez, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? មុននឹងវាប្រចាំសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញបាទដល់3ទាំងផ្នែក3តាមផ្នែកខាងក្រៅយើងមកបូកវាសម្រាប់ទូទាំងរបស់ប្រទេសទាំងមូលបាទប៉ុន្តែ 301 Lors de cette cérémonie, est-ce que vous pouvez dire qui a annoncé cette création? Vous avez parlé de plusieurs dirigeants, vous avez nommé des personnes, vous avez dit qu'il y en avait 21. Est-ce que vous pouvez nous dire lequel de ces 21 dirigeants a annoncé la création de ces divisions? បាទខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបជូនថាការបង្កើតកងទ័ពហើយការប្រកាសហ្នឹងគឺមានតែមេបញ្ជាការអគ្គមេបញ្ជាការបាទសម្រាប់ដឹកនាំទូទាំងប្រទេសនេះប្រកាសបាទប៉ុន្តែក្របខណ្ឌដឹកនាំអីលម្អិតក្នុងឋានៈនៃសមាជិកមជ្ឈិមទាំងគ្រប់រូបនេះវាសិតតែគណៈមេបញ្ជាការគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បាទខ្ញុំបាទក៏វានៅខ្ចីដែរមិនទាន់យល់ជ្រាលជ្រៅ J'ai pas bien compris votre réponse. ចម្លើយរបស់លោកទេហេតុអីក៏លោកនិយាយថាកាលនោះលោកនៅក្មេងពេកហើយខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដាល់ឈ្មោះអ្នកដែលប្រកាសបង្កើតកងពលទាំងអស់នេះបាទសូមលោកឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបាទ ខ្ញុំវាផ្លេចអរិញអគ្គមេបញ្ជាការប្រកាសហ្នឹងមិនដឹងជាឈិតជឿនឬក៏សុនសេននេះបាទកាលហ្នឹងប្រកាសបាទតបនៅលំដាប់តបនេះបាទហើយនឹងតំណាងកងពលបាទទាំងអស់ Ce matin, plutôt en janvier 2013, lorsqu'on s'est dit,
ទទួលសំណួរមួយចំនួនទាក់ទងទៅបដិវត្តន៍នេះ បាទ ខ្ញុំអត់បានចាំទេ Alors je vais vous donner quelques précisions pour voir si cela m'a fraîché la mémoire. Le procureur vous avait montré un exemplaire de l'état qui parlait d'une cérémonie qui s'était tenue au stade olympique le 22 juillet 1975. Et on s'est fait l'écho cette revue. Les sujets abordés លោកសិទ្ធិសេរីមូនីកន្សឺនេលបានមានទៅក្នុងសង្វាក់បាត់នេះថានិយាយអំពីកងទ័ពតើលោកមានចាំទេការនោះសហប្រញ្ញាបានសួរសំណួរទៅលោកតាក់តងទៅនឹងបញ្ហាកងទ័ពនេះបាទថ្ងៃខែដែលគាត់ប្រកាសហ្នឹងវាដល់គាត់អានមកបាទខ្ញុំបាទដូចជាចាំបាទប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំបាទចាំវា Et vous avez raison. Tout à l'heure, lorsque mon confrère pour Nuancea vous a parlé de l'état d'arrêt missionnaire, vous avez expliqué qu'avant de recevoir cette revue, vous aviez reçu, vous en aviez eu en main deux. Est-ce que parmi ces deux exemplaires de l'état d'arrêt missionnaire que vous avez eu en main avant d'y être abonné, il était question de la cérémonie sur la création de la division 801 à laquelle vous avez assisté? Est-ce que vous vous souvenez de ce détail ou non? បន្ទាយក្នុងទុងនឹងវាមានបានជម្រាបកម្មវិធីលើច្បាប់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងនឹងមានប៉ុន្តែវិរិយៈកាលវាអត់មានបានការថែទាំមកវាការដាស់ទឿនការរំលឹកនៃអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបាទនេះវាអត់បានចងចាំបានដឹងថារឿងនឹងវាដល់ដំណាក់កាលមកដល់ប៉ុណ្ណេះហើយវារាប់សិបឆ្នាំហើយវាគួរថាវាគ្មាននិស័យអីនឹងចាប់អារម្មណ៍តទៅទៀតទេព្រោះវាឆ្លងកាត់នៃសង្គ្រាមនឹងវាដូចវាយូរពេក Je vous remercie. Et dans le magazine que vous aviez eu en main à l'époque, c'était donc une question de la création de la division, c'est exact. Je vous remercie. Et dans le magazine que vous aviez eu en main à l'époque, Bạn miền Tout à l'heure, lorsque la défense de Monsieur Nuancea vous a interrogé à propos de cette réunion, et notamment sur les raisons pour lesquelles vous vous souveniez du nombre de 21 dirigeants assistants à cette cérémonie qui ont parlé d'un programme écrit. Et moi, j'ai cru comprendre de votre réponse mais nous sommes sujets parfois à des aléas dus à la succession des traductions et je voudrais vous demander de clarifier. J'ai cru comprendre que
vous expliquer que si vous vous souvenez de ce chiffre 21, vous aviez compté 21 dirigeants sur ce programme écrit. C'est bien ça. Et quand vous aviez été interrogé préalablement en 2010, par quatre reprises, les enquêteurs du tribunal, vous n'aviez jamais parlé de ce programme. Je vais la répéter, monsieur. Je crois que ce matin, c'était la première fois que vous parliez de l'existence d'un papier, d'un document, d'un programme écrit qui aurait été distribué aux participants à cette réunion par, après vérification, en lecture des quatre dépositions, que vous avez dit. ដោយខ្ញុំបាទបានជម្រាបថាការចងចាំបាទវាមិនប្រកដីទេវារឿងវាវែងមកហើយហើយឯកសារវាអត់មានជាប់នៅនឹងខ្លួនបាទជួនកាលនឹកឃើញទៅវាសាច់រឿងចង់ស្វែងរកតែរឿងអីដែលជារឿងពិតដើម្បីជម្រាបជូនបាទព្រោះណែអស់លោកសិតតែចង់ដឹងទទួលពីរឿងពិតបាទអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះក៏វានឹកឃើញបានវែងទៅពេលខ្លះក៏វាអាចនឹកឃើញ Je comprends très bien, monsieur, et c'est tout à fait naturel. Sachez que même si on me demandait de me souvenir d'événements qui ont été importants pour moi, j'aurais des petites difficultés. Et justement, pour ce qui concerne mon client, M. Kyusampan, je voudrais vous poser la question très clairement. Est-ce que vous êtes certain à 100% qu'il était présent à cette réunion ou est-ce qu'il y a dans votre écrit la possibilité d'un doute? Je voudrais revenir maintenant à une expression sur laquelle vous avez été interrogé, afin juste que vous précisiez pour que les choses soient plus claires. Il s'agit de l'expression
sept super traîtres de l'ONNOL. En janvier dernier, c'était entre 13h35 et 13h37, journée de comparution. Je vous avais été interrogé sur cette expression et sur la première fois, vous l'aviez entendue. Et vous avez dit que c'était une expression qui était utilisée par beaucoup de monde. Et ce, dès après le coup d'État, M. Lamont, parce que vous confirmez cette réponse que vous avez donnée en janvier. Et vous avez dit que c'était une expression qui était utilisée par beaucoup de monde. Je vais vous relire les quelques lignes qui concernent cette expression. Donc c'est après 13h35. Et le procureur vous demande à propos de ceux qui travaillaient pour le régime de l'ONNOL, est-ce que vous avez jamais entendu à cette époque-là, avant d'entrer à Phnom Penh, les communications par la radio ou d'autres moyens qui vous étaient donnés par des dirigeants du mouvement concernant ceux que l'on appelait les sept super traîtres du régime de l'ONNOL? Avez-vous entendu parler des sept super-traîtres du régime de l'ONNOL? Et là vous répondez, la chose suivante, vous dites, je cite, oui, j'en ai entendu parler. Après le coup d'État, j'en ai entendu parler. Il y a eu la mise en place d'un front, surtout à la campagne. Les gens qui souffraient ont essayé de suivre la politique de front. Un peu plus loin, vous continuez, vous dites, cela remonte à bien longtemps. La formation a été répercutée d'une personne à l'autre. Mais j'ignore quelle était la source même de cette information. Tout le monde connaissait bien cette expression. Voilà ce que vous avez dit en janvier. Vous en souvenez maintenant? Enfin là, monsieur, c'est quand même le transcrit de vos déclarations devant le tribunal. Je veux bien que vous l'ayez oublié, mais dire que vous n'avez pas dit cela, cela signifie que tout le tribunal s'est trompé, que les gens qui traduisent, les gens qui notent, ce que vous avez dit à l'époque, se sont trompés. C'est un peu gros. Mais ça paraît un peu gros. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avez dit? Vous êtes aussi affirmatif? Est-ce que vous confirmez n'avoir jamais parlé de ça devant ce tribunal? Oui, c'est un peu gros. បញ្ជាក់ថាលោកបាននិយាយនៅទីនេះពាក្យពេចន៍ហ្នឹងមែនឬក៏លោកបដិសេធបាទខ្ញុំបាទមិនបាននិយាយទេបំពេញអ្នកខ្ញុំមិនដឹងជាអារម្មណ៍បំពេញអ្នកនឹងជាអ្នកណាបាទបាទក្នុងជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំគាត់នៅជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងបាទ Bien. Nous en prenons note. Également. Et puis j'en viens
à ma dernière question, elle concerne une précision que vous avez donnée lorsque vous étiez entendu par les enquêteurs du tribunal. Lorsque vous avez votre âge, l'habitation, et l'activité qui est la vôtre aujourd'hui, et vous avez précisé que vous étiez également président d'une association d'anciens combattants. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? ផងដែរតែលោកអាចបំភ្លឺបានទេថាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជននេះលោកចង់សម្ដៅទៅអ្វីដែរខ្ញុំបាទគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជននឹងវាគ្មានប្រាក់បៀវត្សទេបាទជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនដែលចូលនិវត្តន៍ដូចជាជនពិការជននិវត្តន៍ ជនបាត់បង់សមត្ថភាពដែលចូលទៅបណ្ដាញតាមស្រុកតាមខេត្តបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបាទទទួលបន្ទុកនៅក្នុងស្រុកបាទសម្រាប់ជនពិការជននិវត្តន៍ជនបាត់បង់ដែលចូលនិវត្តន៍ទាំងអស់បាទបាទជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងបាទ Et les anciens combattants dont il s'agit sont anciens combattants révolutionnaires de la période qui occupe ce tribunal, c'est bien cela? Je ne comprends pas votre réponse. ខ្ញុំមិនយល់សូមចម្លើយលោកទេលោកសាក់សីលោកនិយាយថានៅគ្រប់ភាគីទាំងអស់នេះខ្ញុំមិនយល់លោកអាចបញ្ជាក់បានទេបាទខ្ញុំបាទបញ្ជាក់ជូនព្រោះនៅក្នុងអតីតទាហាននៅរបបរាជរដ្ឋាភិបាលយើងនេះគឺកងវាចម្រុះបូកគ្នាគ្រប់ សម័យអតីតគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលចូលមកពង្រួបពង្រួមជាតិនេះបាទដូច្នេះទៅវាទៅជាអង្គភាពយោធាតែមួយបាទដល់អញ្ចឹងទៅវាមានសមាសភាពចរិយាពិការខ្លះនិវត្តហួសអាយុហើយខ្លះសតិដែលមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវកាត់រំសាយឲ្យចូលនិវត្តទាំងអស់ អញ្ចឹងវាចម្រុះតែមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះបាទនឹងគាត់នឹងបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងវាព្រោះវាចម្រុះកម្លាំងទាហាននេះបូកគ្នានេះមកក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះបាទ បាទសូមអរគុណលោកកំតៃចំពោះលោកតចាប់ក្រោយពីឆ្នាំ1979នោះលោកនៅតែបន្តធ្វើជាយោធាទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទនៅតែយោធារហូតបាទមកទល់គ្នាពី2002ខ្ញុំបាទបានចូលនិវត្តន៍បាទ Je vous remercie, monsieur le témoin, je comprends mieux. បាទសូមអរគុណលោកសាក់សីឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ភាសាជាងមុនហើយលោកប្រធានខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការចោទសំណួរខ្ញុំនៅត្រឹមនេះលោកប្រធានសូមអរគុណបាទអរគុណលោកមេធាវីអរគុណសាក់សីលោកឆោមខ្សែការស្ដាប់ទៅក្រោយកម្មរបស់លោករហូតដល់ពេលនេះបានចប់ហើយហើយវត្តមានរបស់លោកនៅអង្គជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយ លោកអាចបន្តត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់លោកគូដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយអង្គជំរះសូមអរគុណចំពោះលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមផ្ដល់សក្តិកម្មចំពោះមុខអង្គយើងជំរះត្រាដំបូងក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនិងនៅថ្ងៃនេះហើយប្រកបដោយភាពអត់ធ្មត់និងខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនលោកខ្ញុំខ្សែ
សក្ខីកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមវិភាគទានក្នុងការស្វែងរកការពិតនៃរឿងក្តីនេះសូមលោកចោមសាយជួបតែតំណាងល្អរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលហើយនឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការនឹងរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃអង្គភាពកងពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សីនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅឋានរបស់គាត់ឬក៏ទីកន្លែងណាដែលជាគោលដៅដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅ សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលសំរមសម្រាប់ហើយអង្គជំនុំព្រះកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកហើយអង្គាទី9ខែមេសាឆ្នាំ2013ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកទៅហើយសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំនុំព្រះនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពលើផ្ទាំងដោយការស្ដាប់ទៅខេកម្មសាក់សីដែលមានហាសនាម TC W506 ហើយប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីខុំខាំងនាំខ្លួនជួយចាប់ចតតាំងពីរូបគឺលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីខុំខាំងនៃអបតកោវិញចុះហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមសកម្មភាពនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកហើយបានមុនម៉ោង9សម្រាប់ចុះ